Qui était réellement la première petite amie de Michael Jackson? Dans le tourbillon des histoires d'amour célèbres, certaines restent gravées dans les mémoires. L'une de ces histoires, peu connue mais fascinante, est celle de Maureen McCormick, qui a partagé des moments tendres avec le légendaire Michael Jackson. Imaginez, deux icônes adolescentes, explorant les premiers émois de l'amour avec une innocence presque surréaliste. On se prenait la main et on se faisait des bisous sur la joue. On ne s'est jamais embrassé sur la bouche. Révélant une facette de Michael que peu ont eu le privilège de connaître, McCormick révèle que leurs conversations étaient remplies de rêves et d'admiration mutuelle, un aspect de leur relation que Jackson a choisi de garder secret. La décision de Maureen de partager leur histoire après tant d'années jette une lumière nouvelle sur la personnalité souvent énigmatique de Jackson. Mais qui est Maureen McCormick au-delà de cette romance d'adolescence? Son visage vous est probablement familier. Elle incarnait Marcia Brady, l'aînée charmante et souriante de The Brady Bunch, une série qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce rôle a catapulté Maureen vers une célébrité instantanée. Mais comme de nombreuses histoires hollywoodiennes, le vernis de perfection cachait une réalité bien plus sombre. Derrière le sourire de Marcia Brady, Maureen luttait contre des démons intérieurs, emprisonnée dans une vie marquée par la drogue, l'addiction et une quête désespérée d'acceptation. Elle était tellement parfaite et moi j'étais tout sauf ça. Le contraste entre son personnage à l'écran et sa vie personnelle en spirale était déchirant. Hollywood, avec son glamour impitoyable, l'a poussée vers des abîmes dont elle ne voyait pas l'issue. Heureusement, au cours de sa descente, la chance a souri à Maureen. En 1984, elle rencontre Michael Cummings, un acteur qui deviendra son rock, son phare dans la tempête. Il m'a dit « C'est moi ou c'est ça. Si tu le prends, alors je pars. » Ces mots ont été un électrochoc pour Maureen, un appel au changement qui l'a sauvée. Leur amour, plus fort que les tourments, les a menés à un mariage heureux, scellant une union qui dure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est toujours liée au monde du divertissement, entourée de l'amour de sa famille et de ses amis.